Une ambiance studieuse. Infirmières et infirmiers venus de 18 pays, dont le Sénégal, le Maroc, le Congo ou encore le Mali, se sont réunis. Tous ont été conviés et ont participé au colloque africain des soins infirmiers et obstétricaux. Une première dans l'histoire du pays. Et pourquoi un colloque africain? Parce que l'Afrique a besoin de ça. L'Afrique doit travailler sur l'aspect de la santé. Il y a des éléments qui sont essentiels, tels que la population, la santé, l'éducation, etc. Et nous, en tant que professionnels de santé, c'est important pour nous de nous retrouver et réfléchir sur quelle orientation nous pouvons donner en termes de recherche, en termes d'amélioration de la pratique pour la santé des populations. C'est allier la pratique à la recherche, la pratique à la recherche. C'est mettre, promouvoir la recherche en sciences infirmières dans les systèmes de santé, en Afrique, parce que l'infirmier joue un rôle très important, que ce soit en tant que soignant, que ce soit en tant que cadre supérieur de gestion au sein d'une institution, mais aussi en tant que chercheur en sciences infirmières pour développer des protocoles de soins de qualité et qui assure une performance dans les systèmes de soins. Une initiative à laquelle l'Organisation mondiale de la santé a aussi participé. Ici présents et qui nous suivent aussi en ligne, ceux qui sont venus de l'intérieur du pays et d'ailleurs, l'Afrique a vraiment besoin de professionnels engagés. Les défis sont certes énormes et les défis des données actualisées et de qualité, c'est un défi commun. Donc, accompagner ce premier Casio est quasi un devoir pour l'Organisation mondiale de la santé. Plus d'un an après l'annonce de sa création, l'Ordre des infirmiers, sages-femmes et maïeuticiens est en passe d'être créé. Une décision accompagnée de l'élaboration d'un code de déontologie, tous deux officialisés par le gouvernement le 6 décembre dernier.